niveau, je ne peux pas quand même dire que non, Mafo, écoute-moi maintenant, je vais te parler. Non, non, non. Le moment venu viendra, ma chérie, ne t'en fais pas. Le moment venu viendra. Je ne suis punaise pas, je. Si elle prenait vraiment la paix, elle ne dirait pas à Andolo d'aller lancer son direct et devait plutôt dire à Andolo que si tu montes ici, parle d'autre chose. Je crois que c'est ce qu'elle voulait dire, Yakuba. Mais bon, étant donné qu'elle était avec les amis qui étaient en train de déranger et tout, je crois que c'est sorti facilement de cette manière. Ce n'était pas comme pour dire, Ndolo ne doit pas être dans mon direct. Ndolo, tu restes dans mon direct, Pian. J'ai passé du temps à ne pas parler avec Ndolo parce qu'elle avait manqué du respect à ma patronne. Mais du moment où quand Ndolo elle-même elle entre dans le direct de ma patronne a dit que c'est comment Ndolo, elle salue même Ndolo, elle ne nous salue pas les abeilles. Qui suis-je pour ne pas saluer Ndolo? Elle m'a fait quoi? Elle a tué qui? Mon père était mort, c'est Ndolo qui a tué. Eh, hey, pardon. Après, on va venir dire que je suis bien haineuse. Haineuse, je suis passée quelque part, j'ai entendu les binswali langues. J'ai entendu les. Oh, tu es laide, tu es comme ça, tu écoutes, tu es une vieille mère. Eh, hey, maman. J'ai dit, mince, on peut insulter son semblable comme ça. Bon, ce n'était pas la lionne cette fois-ci, c'était une autre. Mais vous allez voir la haine que sur Chupinette. Vous cherchez que sur Chupinette. Nous, les abeilles, on n'insulte pas. On a l'image de notre reine-mère. La paix. La lionne, tu ris, hein? On ne peut pas faire ça. Même si tu veux encore quelque chose chez Ndolo, pardon, ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Ndolo, toi-même, là, tu as trop insulté aussi. Et tu as continué encore à insulter. Hey, Mouna Chop, oh, voilà Mouna Chop. Mouna Chop envoie ta demande. Ouais, ça fait longtemps que j'ai bien cherché Mouna Chop. J'ai dit qui a chassé ma Mouna Chop. Ndolo monte. Ouais, même Ndolo. Ndolo monte. Si tu ne parles pas de ta copine, c'est bien. Dans la paix, maman. J'ai dit que ouais, ma Mouna Chop, Mouna Chop. C'est rigolo, regardez. Maman, tout le monde pas dormi chez moi. Ouais, good night. Yes. Seigneur, tout le monde peut dormir chez moi, on fait comment? Les abeilles avaient le gogo, ça. Avec sa copine Nicole mélangée avec les priscaliens. Attendez, c'est la partie Non, ci qu'elle devait décrypter. Écoutons, on va décrypter. Non. Je suis contente de toi. Merci, ma soeur chérie. Non, je veux savoir, les jeunes filles comme la lionne là. Mbopi. Bon, Avec Pichou. sa copine Nicole mélangée avec les priscaliens. Maman va Dis-moi. chercher, on va chercher tout leur nom. Le nom de Priscaline, c'est quoi? Bon, Pichou. Priscaline, son nom, c'était quoi? Son petit nom, c'était quoi? On va voir comme ça. Va les filles, et les bas, l'autre même d'abord de l'autre côté. Et les bas, les Mbopi. Et les bas, l'autre de l'autre côté. Elles n'ont pas fait de Saint-Valentin et Mafo. Aucune d'entre elles comme ça. Aucune d'entre elles. Elles n'ont pas montré les images. Mais il faut voir les images là où elles sont en train d'insulter. L'autre était en train d'insulter ou c'est Lolo ou c'est Kyo. Mbopi de son côté est en train d'insulter Ndolo Moulemao. Priscaline de l'autre côté est en train d'insulter l'autre qui insultait l'autre. Maman, je dis que c'est la catastrophe totale. C'est la catastrophe. Mais récessivez-vous les filles. C'est quoi ça? Vous êtes Récessivez-vous. jeune, non? Vous avez fait quoi pendant la Saint-Valentin pour... Dites-moi, parce que moi, je veux voir vos photos réelles. Une photo. Je veux une ancienne riche. Vous connaissez quand je m'asseyais sur mon canapé à 19 000 euros à Lille. Vous voyez comment ça me stressait la table. Parce que ici, là, il n'y a pas la place. Bravo les Et filles même comme ça, là. je dresse souvent, non, ceux qui regardent mon spectacle. Bravo les filles là ne connaissent même pas qu'il y a quelque chose comme l'amour, ma. Elles ne connaissent même pas comme ça qu'elles peuvent dresser la table, faire la nourriture, appeler leur mari et filmer comme ça et montrer. Dinga, que je n'ai jamais vu les copines chez elles pour dire qu'on est sorti. Je ne vous manque pas. Ça, ce n'est pas pour m'élever. Si c'était que je vous montrais ma vie là où je sortais, c'est que je vous montrais quand je n'ai pas au travail, quand je prends les enfants de la crèche, quand mes copines viennent souvent ici, on s'assoit comme ça, on joue, on bavarde, quand je pars chez mes amis, vous allez vivre la vie avec moi. Un peu comme ma faut faire là. Mais je dis que je regarde sur Facebook et ce n'est que les injures. Tu me connais. Moi, j'ai, hein. J'ai beaucoup, hein. Je te dépasse, hein? L'autre qui dit, hey, je connais t'insulter. J'insulte plus que tout le monde. L'autre qui porte les enfants, insulte. L'autre qui porte son ex-copine, insulte. L'autre qui porte, Seigneur, arrêtez les injures. Arrêtez les insultes. Il faut nia se filmer. Il faut nia se filmer, Mbopichou. Il faut nia se filmer. Tu as fait force, Ndolo Moulema. Et c'est pas parce que Ndolo Moulema, je l'aime trop. Non. C'est parce que ça m'a fait mal.
Nous étions nombreuses à te dire ça. Même ta chérie Coco, comment on appelle la belle fille là? Elle est belle. Quand je vois son nom, Orisha, son nom montre déjà qu'elle est belle. Orisha, t'as dit ça. Qu'on ne fait pas ça. Ils ont porté ma FP Magina, déposé comme ça que voici FP Magina, même si c'était elle. Est-ce que vous avez le droit de déposer? Ça m'a fait mal, hein, mais ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait mal. Je crie, FP Magina, FP Magina dans la... Maman, FP Magina, on a dit qu'on t'a donné l'ultimatum, tu as eu peur, tu ne sors plus. Sans savoir que les mêmes personnes sont parties derrière pour partir signaler le poste de FP, voilà pourquoi ils ne parlent plus. Et puis, ils aiment signaler. Oh. Et comme on n'a que deux places avec la bande, voilà, je ne reçois plus, j'ai arrêté, parce que quand j'étais amie, j'avais trop d'amis, j'avais trop de trahison. Même quand j'étais à Paris, là. J'étais toujours en train de recevoir et dresser les tables. Ndolo et la lionne, montez, vous venez faire la paix, pardon. Bon, vous les jeunes filles, là. Vraiment, les jeunes filles, là. Mavo, tu les appelles même les jeunes filles, là, comme ça que tu les dépasses avec elles, là. Si tu as 44 ans, Mbopichoua ou trop autre, elle a peut-être 39 ans. L'autre a peut-être 40 ans. L'autre a peut-être 38 ans. Quand tu les appelles jeunes filles, ce sont les filles que tu dépasses peut-être de 2 ans, de 3 ans. Quand tu entends ça, les autres t'appellent que ma mère ou ma grande sœur ou ma mamoun comme ça, ma faux. Ce sont les filles qui ont presque ton âge. Hein. Il ne faut pas voir comme ça. Ce sont les vieilles mères. Les vieilles mères. Il ne faut pas voir comme ça. Tu entends, tu appelles même que jeunes filles là comme ça. Jeunes filles, ce sont les filles comme les F Imagina, avec la face douce là qu'on a vue là-bas comme ça. C'est ça qu'on appelle jeunes filles. Et pas les bas. Eh, hey, Dieu merci que le noir me garde, hein, parce que si j'étais sortie là, eh, hey, Seigneur, le noir c'est doux, hein, papa. Restez caché. Maman, les bas, les 22 ans, les 23 ans, on va voir les bas, Mbopi, de 38 ans, les bas, les autres. Elles vont venir dire que j'ai une fille. Les gens qui ont tué le requin, que jeune fille. Ouais, Seigneur. Seigneur. Les jeunes filles, là. Les jeunes filles, où? Les lolos vous dépassent. C'est-à-dire que les lolos vous dépassent. Donc, c'est toi. Lucelle, il faut envoyer ta demande, ma chérie. Je vais un peu vous envoyer. Donc, c'est toi, le gars, là. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est-à-dire que vous prenez un danseur. Le monsieur que vous avez publié que c'est lolo vous dépasse. Ce n'est pas lui, hein. Tu es jeune fille FP, c'est toi. Tu es belle. Voici, j'avais le manyanga. Comment on appelle le manyanga? Ouais, en français? Regarde, fais attention avec ta caméra. Non, ta caméra. T'inquiète, ma grande, t'inquiète. Je ne suis pas un faux profil. FP, tu n'es pas faux profil, c'est vrai. C'est vrai. Tu n'es pas FP. Tu sais que tout le monde est habitué à l'affaire de FP, que à chaque fois que la caméra vient des gamins, on crie des... Oui, nous sommes en famille, donc on veut t'encourager à aller loin là. C'est pourquoi je suis montée. Ça va. Oui, ça va, ma grande. Merci pour tout ce que tu fais. Hey. Tu décris très bien. Tu trouves? Oui, je trouve. Et tes directs sont très, très intéressants. Yes. Tu vois. Il n'y a pas de haine dedans, ma. Non, pas de haine. Le reste, c'est le Facebook, c'est le jeu. C'est juste pour te décourager ou bien... Venus, jamais. On a besoin de toi dans ce direct. Avoir l'invitation à Venus aussi. À venir au pays, je ne sais pas si elle a l'Internet comme ça. Je ne crois pas qu'elle a encore l'Internet comme elle... Elle est au pays, quoi. Ah, ok, je vois. Ok, je vois. Ok, Ndolo dit... Quoi, je suis ici pour Chupinette. Chaque fois qu'elle lance ce direct, je suis là. Pourquoi je ne dois plus venir? Tu vas venir, Napia, faut venir. Nous, l'amitié et Mafo et sa copine, ça ne nous regarde plus. On ne met plus notre bouche, ça les regarde. Maintenant, on fait notre chose ici et on défend Mafo quand il y aura besoin, quoi. Donc, c'est ça. Ndolo, faut rentrer. Nous sommes abeilles ici. Entre nous. Comme Choupinette le dit souvent, l'abeille, c'est dans le sang. Donc, tu te sens abeille.
Oui. Pas seulement, tu viens. Ouais, un de l'autre truc que j'ai mis là, je vais vraiment effacer ça. Sincèrement, désolé, mais je vais effacer. Quelqu'un d'autre va devoir partager. Tu as trop mis les gros mots. Tu as trop insulté ta copine. On ne fait pas ça, maman. C'est ça. Si l'amitié finit, ce n'est pas la guerre. Chacun prend son chemin et puis c'est fini, quoi. Il faut du respect après tout. Bon, ils sont partis signaler là, donc je ne pouvais pas partager longtemps, quoi. Ah, ok. Bon, allez. Écoute, c'est que la. Paraît qu'elle n'oblige pas à casser à mémé. Accepter comme ça, c'est quoi? Écoutez, on va y aller. Leader reste leader. Vous voulez mettre. Je vous ai jamais obligé à aimer compresseur. Paraît qu'elle n'oblige pas à casser à mémé. Accepter comme ça, c'est quoi? Vous avez vu. Hein, c'est quoi? Elle et moi, c'est une place. Maintenant, si vous voulez vous insulter entre vous les FP qu'on voulait, on n'en a rien à foutre. Non, mais c'est sûr de pas mal. Vous n'étiez pas là. Donc, arrêtez de vous mettre en danger. La paix de Mafou et pas la paix de Mafou. Ça n'a rien à voir. C'est pas vous qui avez fait que nous on s'est mis ensemble. Mafou, il y a les gens qui ont porté ça sur leur tête comme si. L'affaire de la paix, là, vraiment. Il y a les gens qui ont porté ça. Mais le problème, c'est que quand on est en paix, on peut si. Je peux être en paix avec toi, n'est-ce pas? Et t'ignorer sans toutefois faire de toi ma meilleure amie. Tu vois ce qu'elle veut dire? Yeah. Donc, les deux peuvent être en paix. Mais maintenant, les teams ne sont pas obligés d'être les meilleurs amis du monde. C'est ce qu'on essaye de. Mais de là, tu ne peux pas te traiter des nœuds que tu ne veux pas supporter. Oh, ma mère, c'est comment? Maï, c'est comment? Ta manière. Non, là, je suis fâchée. Il faut que Mafo comprenne que ce n'est pas les abeilles qu'on insulte, mais c'est plutôt elles qu'on insulte et puis les abeilles répondent. C'est quelque chose qu'elles doivent. Je vais les capturer. Hein. Non, c'est les captures que j'ai prises. Voilà, c'est tout. Envoyez les cœurs pour Mid Boton, on va l'écouter. Verse ton cœur. Il parle que tu es venu avec beaucoup. Parle, maman, parle. Bon, moi, je suis fâchée parce que j'ai l'impression que. Les réprimandes, c'est ça sens unique. Ce n'est pas de son. Parce que moi, quand je vois les insultes qu'on donne à ces femmes-là, j'ai mal au cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qu'on insulte, mais c'est elles qu'on insulte. Quand je vois les insultes qu'on donne à ces femmes-là, j'ai mal au cœur. Hein, Chupinette? Voilà, oui. Je suis en train de dire ceci. Hein. Il faut comprendre que ce n'est pas nous qu'on insulte, mais c'est plutôt elle qu'on insulte. Et si on répond, c'est parce que c'est elle qu'on insulte. Et puis on répond. C'est ça le problème. Parce que quand vous allez dans leur live, vous lisez seulement les commentaires. Bon. C'est vrai que ça a baissé parce que moi, de temps en temps, j'entre, je m'assois, j'observe. Et je peux citer le nom de tous ceux qui insultent Mafou parce que j'ai les captures d'écran que j'ai gardées. Jusqu'à si quelqu'un discute, je balance sa part. Il va m'envoyer ça. Oui. Je dis, j'ai les captures d'écran même jusqu'à Christian de Monaco. Quand il est dans les laves, il insulte bien. Mais quand on fait un post sur Mafou, il vient bien parler là-bas. La dernière fois, j'ai vu comment elle a commenté. J'ai écrit en bas, il n'a plus rien dit. Parce qu'il a compris que j'ai compris son jeu. C'est-à-dire qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est des malhonnêtes. C'est-à-dire que promesse, comme on dit, hein, le chien ne fait jamais le chat. Le chien ne fait que le chat. Le chien ne fait que le chien. Et c'est comme ça qu'ils sont. Donc ne cherchez pas l'autre. Et là, je suis très fâchée ce soir. Donc j'ai dit que la prochaine fois que ma faut faire le lab, moi je m'assois d'abord et n'entre même pas. Il faut qu'on la laisse même d'abord un peu là-bas. Là. Parce que j'ai l'impression que il faut avoir nos nez. Il faut qu'on la laisse d'abord. Qu'on l'oublie un peu. Parce que j'ai l'impression qu'elle est en train de jouer avec nos nez. Elle joue avec nos nez. Vraiment, on va les laisser avec sa copine. Pour un temps. C'est ça. Elle sait ce qu'elle fait quand même. Donc. Même si elle sait ce qu'elle. Non. Au bout d'un moment, elle est en train de nous jeter, comme dit Nancy, à l'avenue populaire. Elle est en train de nous jeter à l'avenue populaire. Parce qu'elle va encore bien nous insulter. Elle est frélatée, elle est fausse abeille, elle est quoi là? Donc, elle ne voit pas les noms là qu'on nous donne. Non, mais attendons. Au bout d'un moment, c'est quoi? Le respect est mutuel. Hein. On va pas nous insulter. On va se laisser insulter pour une sorte d'amitié. L'amitié, la donne quoi à qui?
Tout ce qu'on veut, c'est qu'on la respecte, c'est tout, qu'on ne l'insulte pas n'importe comment, c'est tout ce qu'on réclame. Oui, je demande c'est ça. Oui, qu'on la respecte. Oui, qu'on la respecte, qu'on ne l'insulte pas n'importe comment, c'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on demande. Et ceux qui lancent les lacs, ils plaident pour eux, qu'on les insulte partout. Mais la personne qui lance le lac ne voit pas aussi comment on est en train d'insulter Mafo partout. C'est-à-dire que Facebook, je pense qu'elle va me déconnecter de Facebook pour un moment parce que c'est devenu. Ça juste ignorer certaines personnes et puis on avance. Non, je vais me déconnecter de. Je vais déconnecter. Quand on aime quelqu'un, il y a des choses qu'on n'aime pas voir, de ces injures qui n'ont même pas de sens. C'est-à-dire que tu vois même ceux qui insultent, c'est les mêmes qui viennent faire semblant. Et que c'est les mêmes qui viennent faire semblant. On a lancé un arbre aujourd'hui où on accusait que les abeilles affichent les FP. Hein? Ils ont passé le temps à afficher les FP. Mais quand ils vont venir là-bas, ils vont seulement voir une seule personne qui est haineuse, alors qu'ils ont leur Lisette Akoudou qui est haineuse et tribaliste en même temps, les deux à la fois. Mais il dit, Amy, beauté, tu fais même comment pour entrer même dans les directs là-bas? Moi, je ne parle pas. Est-ce que tu connais mon FP que j'entre là-bas? Mais quand j'entre, je m'assois et ne bouge, je ne fais pas mal de bruit, je n'écris pas, je ne dis rien. Je fais seulement les captures d'écran, je garde, je fais les captures d'écran, je garde, c'est tout. Je n'écris pas, je suis là, c'est-à-dire que je vois ces femmes, mais ne parle pas. Il a dit que je ne parle même pas de leur part. Je ne crie même pas, je n'insulte même pas, je ne peux même pas insulter la copine de maman. Je ne le fais pas. Moi je n'insulte pas. Mais quand tu insultes ma faute, au bout d'un moment, moi aussi j'insulte. Je suis punie, il faut laisser. C'est parce que tu ne vois pas les commentaires. Quand je vois les commentaires, tu vois, souvent je lance aussi ce qui pique bien, on reste tranquille. Ce qui est sûr, aucune abeille ne cotise plus dans le PayPal de quelqu'un. On cotise seulement chez ma faute, c'est tout. On ignore le reste. Même chez ma faute, si ma faute s'amuse, même si elle se comporte comme ça, même chez elle, on ne va plus cotiser. Parce qu'elle doit imposer le respect aussi pour nous, comme elle impose le respect pour ces gens. Elle va jamais venir dire que vous, là, vous voyez, vous faites tout. C'est tout ma faute qui sort toujours pour réprimander les abeilles. Qu'elle continue comme ça. Ce qui me fait mal, c'est que ma faute protège jusqu'à les gens pensent que la copine a quelque chose contre elle et puis Amère a quelque chose contre elle. C'est ce qui me fait mal. Mafo doit sortir et puis interdire certaines choses aussi pour que nous les abeilles, on soit contents. Oui, on ne doit pas passer le temps à nous insulter n'importe comment pour une histoire de paix. C'est la première paix, c'est quelle paix même? Wonderful. Oh yeah. Même les Arabes avaient fait la paix, mais ce n'était pas comme ça. Pour une histoire de paix, on va passer le temps à insulter ses enfants. On les insulte de partout. Non, 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 moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis même pas d'accord. Mounacha veut que tu l'apprennes. Donc, tu peux l'envoyer l'invitation. Je ne suis pas d'accord. Ce soir-là, je suis très fâchée, je suis punaise. Moi, je vais te laisser. Moi, je vais dormir. Ne descends pas. Tu ne descends pas, mis de beauté. Tu restes là-bas. Je vais juste te dire une chose. Je vais juste te dire une chose très rapidement. Ces gens-là qui viennent naguer avec « Oh, quittez dans tout ça, allez parler de la soirée de votre mafo. » Vous n'avez rien à nous dire. Vous avez entendu, vous ne connaissez même pas quand nous sommes là pour partager. Vous ne connaissez même pas, ou vous ne connaissez pas la force de frappe des abeilles. Ils ont rien fait quoi. Ils étaient combien? Beauté, vous avez fait comme jusqu'à vous avez venu balancer ici que occupez-vous de la soirée de votre patronne. Ma patronne a fait quoi? À haute voix que il n'est pas encore temps de la publicité. Donc vous la quand sera l'heure de la publicité, vous allez voir les abeilles agir. Entre temps, vous nous bouclez ça que wow, personne ne va venir. Avec la paix qu'il y a là, on veut même avoir les Lomagnas, on va avoir n'importe qui. On ne ferme la porte à personne. J'entends les gens dire que faites attention, si vous ne faites pas comme ça, les gens ne vont pas venir. Vous, les qui? Ils sont d'abord combien? Ils étaient combien là-bas? Les mêmes personnes, je ne sais même qui a acheté leur billet même d'abord. Ils étaient combien là-bas? La table de 10 qui était là, ils étaient combien? En dehors, ils étaient combien? Ils étaient plus de 10. C'est parce que je ne veux pas bien les insulter. Moi, j'aurais dit ça l'autre jour. Que vous étiez combien? L'onjo que vous avez donné, c'est tout à passé sur la fois. Attendez encore l'onjo la prochaine fois. Attendez encore l'onjo. On va encore payer 1000 euros et vous allez venir vous asseoir encore. Ne pas te fâcher. Évite souvent les dire. Allô?
Oui, mon ami. Oui. Bienvenue là. Oui, oui. À toi, là. Comment, ma soeur? Ça va, ma soeur. Ouais, c'est temps. Ouais, il faut que la tata, la madame qui est en train de parler, là, il faut vraiment qu'elle laisse des organes. Hein. Nous sommes sur Facebook depuis... j'ai commencé à suivre Flore, je pense que c'était 2013. Il y a trop de méchanceté. Les gens sont devenus trop méchants. Je comprends. Laisse-moi un peu dire quelque chose. S'il vous plaît. Nous sommes sur Facebook depuis... En tout cas, moi, j'ai commencé à suivre Flore depuis 2013. Et de 2013 à 2024, on a eu tellement de combats. Nous sommes la team la plus puissante dans les réseaux sociaux. Africaine, la plus puissante. Même Pyongyang. Je dis même les... Même Bob Lippé à son âme ne nous pouvait pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous terroriser sur Facebook. C'est impossible. Maintenant, on doit comprendre que quand le temps passe, on change de stratégie. Mm-hmm. Est-ce que tu comprends? On ne peut pas se mettre à se quereller comme qui a de cela 10 ans. Ça n'a pas de sens. Ça va faire pratiquement 10 ans que moi, je la suis. On ne peut plus utiliser les mêmes armes. Ça perd le temps pour rien. Si tu as le faire. Mal aujourd'hui parce que la soi-disante copine, l'amitié, blablabla, tout ça là, le mélange là, si ça fait mal à quelqu'un aujourd'hui, c'est parce que vous partez, vous donnez l'importance à cette chose là, vous partez dans les directs, vous êtes dans tout, vous faites trop la bordelée. Ok, je le dis à haute voix, j'ai bloqué partout, voilà, donc ça ne me donne pas. Tu vois que tu es en paix. De même que moi. Tu vois que tu es en paix. Tu es au courant. On est sur Facebook. Je ne vais pas derrière pour partir regarder comme je vois d'autres personnes. Voilà. Nous, les abeilles. Pour dire que Marie cherchait pour voir que tu as dit que quoi. Non, ça ne me concerne pas. Ça ne t'intéresse pas. Nous sommes sur Facebook. Nous, les abeilles, nous sommes sur Facebook pour Mafo. Nous sommes les employés à temps plein pour Mafo. On travaille pour elle nuit et jour. Quand quelqu'un voit que ça dérange, mais ce qu'elle est en train de faire, ce n'est plus bon. Tu pars, tu te reposes au quartier, tu reviens quand c'est qu'elle fait que tu trouves que c'est bon. Est bon, tu reviens. Parce que Facebook, c'est la stratégie. La reine mère a lancé la paix. Vous ne voyez pas que c'est elle qui dit. Elle a la télé. Depuis qu'on parle qu'elle a la télécommande de Facebook, vous ne comprenez pas. La personne qu'on appelle Mafo. Oui. Elle a décidé de faire les soirées. Quand on fait les soirées, il y a les choses. Il y a les petits tirements qu'on ne peut plus entrer dedans. Je vous dis qu'il faut la stratégie. Même quand on part en guerre, il faut la stratégie de la guerre. Ce n'est pas dans tout chaud qu'on va commencer à exploser comme le pop-corn. Je dis qu'on est la team la plus puissante de Facebook. C'est la plus puissante. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous faire peur. Maintenant, c'est la stratégie. Et tout le monde ici est instruit. La team la plus intelligente, la plus puissante, que ce soit mentalement, que ce soit financièrement. Donc, il faudrait que ça parte avec les actes. On peut aller dans les choses de la guerre comme excuse un peu, je lis un peu les commentaires. Il y a les gens qui te demandent, toi qui pour nous dire de partir et de revenir, et l'autre qui dit, il faut arrêter, il n'y a pas d'enfant ici, le respect est mutuel. Excusez-moi, je ne suis pas en train d'insulter personne. Si j'écris, c'est ma manière de parler. Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un en particulier. Si quelqu'un se sent offensé par mes propos, je m'en excuse. J'étais juste en train de parler en tant qu'Abel. Je n'écris sur personne. Je ne donne de conseils à personne. Je donne juste mon point de vue. Donc, si quelqu'un se sent concerné, vraiment, je m'excuse. Je ne m'adresse pas à quelqu'un en particulier. Je donne mon avis en tant qu'abeille. Je ne suis pas en train de crier. OK. Continue. Je suis ici pour ma faute. Je suis sur Facebook pour Mafo. Et Mafo, c'est la plus grande stratège de Facebook. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit encore démontrer. Tout le monde ici est au courant. Si on est venu supporter Mafo, c'est parce qu'on sait où on part. C'est la team des réalisations. C'est la team que quand tu avances, toi-même, tu sais que tu avances. On n'est pas dans les hauts, on n'est pas dans les A. Donc, à un moment donné, si Flore, je me permets d'appeler Flore, si Flore décide que, regarde, vous pensez qu'elle ne voit pas tout ce qui se passe sur Facebook? Si elle nous dit de se calmer, laissons. La vie, c'est la stratégie. Il faut laisser. Si c'est tu vois que le copinage là-bas ne marche pas, change, ne regarde plus. Nous sommes dans la stratégie de 2024. Nous, on a une salle de combien de personnes qu'on doit remplir. Il faut partir avec tout le monde. On fait la politique maintenant sur Facebook.
La vie, c'est le chemin. Mais là, c'est pas prendre dingue en même temps, hein, par, Mona Chop. Il faut qu'on se dise. C'est pas à cause de la politique de Facebook qu'on va maintenant tout accepter. On va accepter quoi? Tu parles de quoi, Chopi? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que tu appelles quoi qu'on va tout accepter? Tout là, c'est quoi? Quand quelque chose me dérange, je ne parle pas. Reste-moi seulement tranquille, je regarde tout le monde. Non, mais quand pas, on ne ça... va pas tout accepter, le tout là, c'est quoi, Chopi? Entre nous, le tout, c'est quoi? Ma vie là, mon eBay, mais te dis, moi, je dis en Congo, ça mieux les captures sont, mais dis ça comme ça, directement. Ok, maman. Mais tu sais, t'as pas à dans le UV, c'est quelque chose qu'on peut gérer, non? Maman, même si tu pas encore mes captures, tu peux en mettre là-bas, ça ne serait pas ma voix que tu as mis là-bas. Non, je ne suis pas en train de parler des captures. Dis que si on non, parle, si on ne peut jamais te trahir. Je dis que c'est des choses qu'on peut gérer. Ça veut dire que c'est des choses que même Flore, elle voit, mais elle est capable de gérer eBay. Il faudrait que nous aussi, on soit capable de gérer eBay. C'est pas... Non, mais c'est ce qu'on veut dire quand même. Nous sommes là pour une patronne. Si la patronne dit que calmez-vous les enfants, laissez tomber. Laissons tomber. Ferry Vanity, ta demande. Il faut envoyer ta demande. Je n'ai pas vu Ferry Vanity. Qui a envoyé sa demande? Je ne vois pas. Il faut envoyer ta demande d'abord. Ouais, Mid Beauté est parti. On a chopé venir chasser Mid Beauté. Ouais, je m'excuse, ma. Elle a dit sa vérité aussi, tu dis ta part, c'est tout. Pas, peut-être c'est ma façon de dire, mais j'ai crié sur personne, pardon. L'abeille ne pique pas. L'abeille ne pique pas l'abeille. C'est ça. Ferry, fais attention. Bon, toi, on t'a même vu. Donc, toi, tu n'es même plus FPS. Mais... Moi, je n'ai jamais été FPS. Je suis toujours un vrai profil, maman. Vrai profil, maman. Tu avais beaucoup belle. La belle abeille de maman. J'ai mal le jour là que je me suis dévalée. Maman, j'étais rentrée. Tu connais, quand tu travailles, tu as les écouteurs, tu ne peux pas respirer, non. Donc, j'étais... je disais... Ah bon, non. Je suis venue pour deux choses. Bonsoir les amis, je suis venue pour deux choses. Bonsoir. Je dis que moi, les filles, moi je savais que je n'ai pas le cœur qui supporte, ça souffre trop. Donc moi, j'ai bloqué tous ces comptes. Moi, je ne parle plus chez les gens là pour suivre les lives. Même sur celle qui dit que souvent qu'elle est la fille, soi-disant fille qui est au début de l'Europe là, à la fenêtre de l'Europe là. Mais au début là, moi, elle est sortie de mon corps. Eric, tu joues un jeu. Parce que tu as deux profils. Tu as un profil chez les abeilles et un profil ailleurs. Moi, j'étais un jeune. Au nom de Dieu, j'ai ce que tu connais là. Ce que tu connais là, on s'écrivait là. Et ça, je n'ai plus autre chose. Je ne pars pas. Je te jure sur ma vie. Je ne suis pas fausse. Je te jure sur ma vie. Parfois, je peux écouter les remembers ou bien dans les pages qui relaient là. Parfois, je peux aussi venir. Je suis en paix. Reste-moi à la fenêtre. Mais là où je pars, là où je commence à un peu aller, que je peux écouter même 5 minutes chez Lolo. Et quand moi, j'avais mal au cœur qu'on insulte, qu'elle n'ait pas voix, qu'elle peut me défouler ailleurs, c'était la dernière fois quand j'avais trop parlé jusqu'à me dévoiler là. Sinon, moi, je ne parle pas autre part. Je ne suis pas fausse. J'ai toujours, tu sais pourquoi j'ai changé le nom? Parce que tout le monde, tu connais mon nom d'avant, tout le monde m'appelait, on m'a trop, j'ai trop eu des problèmes en privé. À cause de ça, donc j'ai dit que, ok, je disparais comme le ferry, si la personne le connaît, donc on ne va pas trop me remarquer. J'étais là devenue que trop. C'est pour ça que j'ai changé le nom, c'est tout. Mais tu connais l'autre compte là, c'est là, il y a ma famille. Oui, tout le monde veut t'écouter maintenant, à toi l'antenne. Donc la première des choses, moi, elle dit que les abeilles, quand on va venir, j'ai écrit ça, quand on va venir dire que, oh, on doit cotiser là, que personne, parce que notre reine, mais connaît souvent nous prendre dans le miel, dit qu'on doit cotiser là-bas parce que bientôt, on va commencer à chanter les belles chansons que les abeilles, pour que les abeilles vont tomber. Parce que quand ça ne va pas cotiser comme ça veut là, on va retourner. Ça a toujours été la stratégie. Et cette femme-là est manipulatrice. Oh, oh, père. Et moi, on sait. Et toi, enlève la musique derrière. Maman. Enlève ta musique, s'il te plaît. Ils ont la voix camerounaise et puis quand ils veulent parler avec les Mouna, ils disent, ils parlent avec la voix française. Allez, ta musique s'il te plaît. Arrête. Moi, je suis togolaise, je suis pirate. Moi, je dis que personne ne cotise quand on va venir parce que bientôt elle va sortir pour nous dire que on doit cotiser. Que personne ne dit que le 5 francs, c'est que quand l'argent n'a qu'à donner, à ma vous bien aller donner même aux gens qui ont besoin, mais que personne ne donne même un 5 francs.
Mais pourquoi, personne. Pourquoi tu crois qu'ils vont te demander? Mafo va venir demander la dernière fois, comme elle avait dit qu'on doit cotiser, non? Non, je crois. Pour les dons. Tu sais qu'elle est toujours capable de tendre la main à la fille là, comme si, je ne sais pas, comme si elle supplie quelque chose. Et de deux, j'ai voulu aussi dire que quoi, que les abeilles, si vous avez trop mal, arrêtez d'aller ou bien restez à la fenêtre. Restez à la fenêtre. Parce que quand vous partez, vous asseyez, il vous manque le respect. Et je voulais aussi vous dire, moi, je me souviens, qui se souvient quand ma foi est partie en Espagne et qu'on a donné les parfums. Le jour là, le type là, qu'on a dit qu'on a affiché là, s'est dévoilé. Il était mince, gringalé comme ça là, comme elle, sa patronne même. Donc, si quelqu'un peut retrouver le live là, ça serait lui. Parce que le jour là, il avait donné les parfums. Jusqu'à ma foi est venue dire qu'il y a un parfum qui s'est cassé. Et c'était en Espagne, elle était partie en Espagne. Jusqu'à... Pas ma faute, pas ma faute. Ouais, ouais, Gabriel. Yves, s'il te plaît, ne rentre pas trop dedans. On a compris. Yves, pardon. On a compris, ok? C'est quoi? Hein? Je dis que dans le live de Mafola, il est sorti jusqu'à le jour où tout le monde a écrit que donc c'est tout lui là ici là. Si quelqu'un peut retrouver le live là, c'était dans Mafo était en Espagne. Il est venu à l'hôtel au hall. Il avait donné un sac à Mafo et il était là. Donc maintenant là, les abeilles qui pleurent que oh affichez là, mais les filles vous êtes belles non? Vous avez les formes. Si quelqu'un vient, ça va faire quoi si quelqu'un vous a même affiché que vous avez peur de quoi? Je ne sais pas si une abeille ne dort pas à la maison. Hein. Tout travail, tous sont les mères de famille, tous sont des responsables. Vous avez peur de quoi? Une n'a qu'une s'affiche. Maman, même si on me dit le jour que quelqu'un dit que on dit cacha, même si c'est en caleçon, qu'on dit que sort, après va de ma pied, je sors, mon frère. Je n'ai pas honte de qui je suis. Nous avons accouché, nous avons les brûlés. Nous avons les brûlés. Celui qui n'a pas accouché, je pense que quand c'est moyen pas couper son ventre, il y a quoi? Moi qui ai accouché du mot et puis j'ai accouché encore un an après, maman, tu peux imaginer mon ventre. Parce que tu les vois, oh, ils sont belles. Quand j'entends celle qui est au fond, au début de l'Europe, à la fenêtre de l'Europe qui parle là, oh, une fois même, j'ai un peu écouté son en passant que, oh, il y a que l'autre qui la défend, l'autre n'a. Mafo s'est pris les problèmes ici avec la maman des États-Unis, jusqu'on a insulté, Mahana, c'était grave là, c'était à cause, c'est pas qu'on la défendait. Soupinet, je suis venue seulement dire ce que j'avais dans le cœur qu'elle voulait parler. C'est tout. T'as vraiment énervé parce que vraiment, à t'entendre parler, nous tous on était une famille. Ma foi a dit qu'on respecte sa paix. Qu'est-ce qui t'a tellement énervé jusqu'à ce point? Quand ça a commencé à m'énerver, ça fait déjà peut-être 3 mois quand il y avait des problèmes, que ma foi était sortie pour essayer de calmer et sa copine est sortie. Elle a fait un live en bas. Il fallait voir les anciens FP là qui sont sortis et déraciner ma foi. C'est dès ce jour-là. Et sa réaction de sa copine qui bloquait et qui méprisait, qui parlait, il fallait voir. J'ai dit que l'image de l'ancien, parce qu'avant j'avais perdu son image, qu'elle était souvent moche, bizarre, vilaine là. L'image là est revenue, la phrase là. Et quand ça me positionne dans ma tête, Ina, l'ancien... Quelque part, tu ne peux pas respecter ce que ma foi dit, genre respecter mon amitié et puis le reste laisser tomber. J'ai respecté. Est-ce que je peux pas l'insulter? Je ne parle plus dans les lives, non? Oui. Je ne parle pas l'insulter. Respect. Non, j'ai même changé de nom pour ne pas provoquer. Est-ce que depuis même je parle, j'insulte ma... Bah non, tu n'insultes pas beaucoup. Je n'ai pas insulté. Tu connais ce que j'ai insulté. Faut parler seulement. Je parle seulement. Est-ce que j'ai insulté? Non. Il ne faut pas insulter. Voilà. Il ne faut pas insulter. Je suis seulement en train d'expliquer que celle qui est derrière, elle n'est pas en train d'appeler le nom pour que tu aies les problèmes. Non, elle dit que celle qui est derrière, explique les faits. Que celle qui est derrière l'Europe. Comme ça, c'est moi qui écope après, non? Oui. Et ma foi, partager le direct. J'explique les faits, non? Est-ce que expliquer les faits, c'est d'insulter? Non.
dit que l'image de la personne qui était bizarre avant est revenue dans ma tête. C'est pour ça que c'est sorti. Jusqu'à j'ai pété les plombs en rentrant au travail en après-midi que je suis partie intervenir. Jusqu'au jour, on a c'est même pas jamais. Après, on a parlé. Puis j'ai compris que les autres soeurs n'ont pas aimé que je parle aussi parler dans le live des autres gens. Est-ce que je peux encore intervenir? Je reste à distance pour ne pas avoir mal. Je reste moi et j'essaie un peu de limiter, même commenter, commente pas. Mais en passant, je n'ai pas un faux, je n'ai jamais eu un faux profil depuis que je suis sur Facebook. Parce qu'elle ne savait même pas ce que c'était un faux profil quand elle commençait à la suivre. C'était avec mon vrai profil jusqu'à maintenant le nom que j'ai changé. Tellement, moi, il faut que nous soyons en paix. Comme ça, elle-même, elle sera en paix. Parce que vous savez que si nous, les abeilles, nous ne sommes pas en paix avec son entourage, c'est difficile pour elle, n'est-ce pas? Je dis, comment on va être en paix? Quand son ami, tu, par exemple, je te dis, quand tu as quelqu'un que tu aimes et que tout le monde sait que tu aimes cette personne et que les gens sont en bas en train de la massacrer, mon frère, ton cœur est en os. Même l'os là ne se brise, non. C'est mieux peut-être parfois de quitter de bon, là-bas et de ne plus revenir. En quittant, même si on fait quoi, je te dis que je ne pars pas dans ces lives, j'ai tout bloqué. Je ne savais même pas qu'elle n'avait même plus l'ancienne page là. C'est dans les commentaires, le tout là que j'ai les petites vidéos que je découvre qu'elle a une nouvelle page. Mais quand tu peux aller fouiller comme ça, que tu peux en passant, quand tu as un peu le temps, tu tombes sur les coupés là, ce qu'elle dit, mais tu dis waouh, les commentaires qui passent en bas, tu dis waouh, moi je lance un défi. Que ces gens-là. Moi, c'est Ina Aïchata, que cette fille-là qui insulte Mafo là et tout là, qui se croit Ngala, celle qui l'insulte là, qu'elle sorte, moi aussi je sors, on fait donc tout mon corps. Je n'ai pas honte de qui je suis, mon frère, j'ai bonne, et moi c'est la césarienne, mon frère, on m'a charcuté. Donc je vais avoir, j'étais belle avant quand j'étais mince, belle, avec les formes que mon miroir m'appelait beauté. Quand mon miroir me parlait, belle, qui est la plus belle, mon miroir me répondait que c'était moi. Donc comme j'ai accouché, je vais avoir le complet, mon visage reste là. Ina, comment ça se passe avec ton mari maintenant? Maman, tu crois qu'elle parle comme ça parce que... Il est à la maison. Il est où, maman? Il tape la bouche. Mais j'ai ma gardienne qui est là à côté, qui, tu n'as pas compris comment elle me parle aussi. Maman, est-ce que moi, elle a faute? Ok, il est parti. Non, il est sorti. Je suis avec à la maison, avec l'enfant, c'est tout. Sinon, quand il vient là comme ça, tu vas mettre l'enfant de côté. Vous allez jouer un tour. Non. C'est son côté, la malaise. Okay. On m'a trop... aussi menacé à cause de Facebook. Hey, c'était pour moi, c'était de trop. Quand on faisait les divers ici, Ina, ma foi a demandé ce que vous avez fait pendant le 14 février. Tu as fait quoi avec ton mari le 14 février, maman? Moi, le 14, d'abord, on avait les petits problèmes. J'avais gueulé, j'avais sorti la bouche, lui lavé jusqu'à... Donc, on m'avait aussi donné ma part de dose. Donc, chacun, on parlait de gens que quand vous vous retrouvez au salon, c'est chacun qui parle, mais gens avec le message. Il fait ceci. Maintenant, j'ai essayé de, à partir du 13, là, je crois, j'avais commencé à essayer de commencer à m'habiller bien, à porter les mini trucs. Et à Madoué, donc j'ai essayé d'arranger, le gars a senti que je voulais arranger les choses. Comme moi aussi, je suis orgueilleuse, je ne voulais pas parler. Mais le tout, si c'est moi qui avais raison. C'est moi qui avais, c'était pour saigner dos au Cameroun. Tu sais que quand on saigne le dos au Cameroun, on doit tous se dire, je ne peux pas que quand moi je saigne, moi je dis... J'avais la tête de mon mari maintenant qu'il doit envoyer l'argent à ma mère et à l'enfant de ma grande soeur, maman. Et ça doit me prendre peut-être 2 jours avant que ça entre bien dans sa tête. Comme ça, quand j'envoie maintenant, il n'y aurait plus de problème. Non, pour moi, c'est quand on saigne que je ne suis pas au courant, gars. Il faut qu'on soit tous au courant. Puisque quand on fait le bilan à la fin du mois de ce qu'on doit dépenser, donc moi, je sais toujours que moi, je sais pas que bon, l'homme, il touche plus que moi. C'est vrai qu'on n'est pas légalement marié, mais on vit en couple. Tu vois, oui. Un peu, non, mais on s'est arrangé, on est en train de voir là où ça peut nous amener. Mais ça ne veut pas dire que tu vas me cacher les choses. Tu fais tes trucs au pays. Qui me dit que tu n'as pas une gars que tu nourris là-bas au Cameroun? Qui me dit que tu n'es pas en fait, et tu connais les Bamleke, mon frère. Bamleke, tu peux être avec lui, tu es bien, alors qu'il est en train de se préparer, lui, son mariage du siècle. C'est toi avec ce que j'entends derrière là. Il ne faut pas parler des Bami comme ça, parce que moi, j'ai un petit coin Bami comme ça. Il ne faut pas parler de ma maman, je parle en général, je ne vis pas avec un Bamleke. Je parle seulement
en général. Donc, en fait, c'est ce problème de scène les dos que quand moi je suis, que ça m'a énervé. Donc, en voulant parler, on me demande que est-ce que c'est moi qui passe travailler à la place, que je suis qui ne parle plus fort sur son agent et tout. Il dit que ah, j'ai commencé à lui citer ce que moi aussi j'ai fait avec mon agent sur lui. Les sous-vêtements que tu portes là, c'est moi. Si tu n'achètes pas les sous-vêtements, tu vas acheter. Donc, et comme j'ai dit ça devant un de ses amis, il s'est fâché. Mon frère s'est sorti. La manière qu'il m'a répondu mal devant son ami, ça m'a poussé aussi à le coach. Et comme le coach aussi n'a pas supporté, il m'a donné un coup de poing. Dans le coup de poing, je suis partie aussi prendre les trucs pour doser aussi. On nous a séparés. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé la guerre silence. Donc, chacun dormait de son côté. Regarde, mais c'est vraiment... Le métier, si, dans le 23, je décide d'arranger. Je commence à arranger. Le 13, je décide d'arranger. Et j'attendais le cadeau. Le gars a disparu, lui. Le jour de la Saint-Valentin, il a disparu. Il est rentré vers 23h. Il ne m'a rien donné. Après deux jours, il m'a ramené un paquet de fleurs. Mon frère, il a balancé ses fleurs au visage. Il a dit que je suis un animal ou bien une chèvre pour qu'il m'amène les fleurs. Le métis. C'est pas présent. Oh, non, c'est arrangé. Non, c'est arrangé. Il m'a promis, il m'a demandé ce qu'il voulait. Lui a dit qu'il voulait. Bon. Il veut autre chose. Je veux quelque chose de particulier. Donc, je lui ai demandé ça. Il m'a dit qu'il va le faire, que j'attends. Non, j'attends. Mais moi aussi, je suis partie à l'urgence acheter un parfum. Je suis partie acheter un parfum. Donc, nous, notre tatouage n'a pas même donc, moi, j'avais préparé un peu les steaks et tout. J'avais même filmé. J'attendais que le bon gars vienne. Il n'est pas lui venu. Moi, je me suis assis, j'ai chop, j'ai bu, j'ai mangé tout seul. Donc, c'est comme ça. Moi, le 14, ça n'a pas été vraiment ça. Donc, je peux pas venir raconter autre chose ici. Mais, je pense que le 13, le 16, il m'a amené, le jour-là qu'il a amené les fleurs pour s'excuser pour le, il m'a dit que l'amour, on se dit, on se témoigne tous les jours. Je lui ai balancé ça au visage. OK. Attendez, le métis, entre en contact avec moi, le métis FDL, ou tu es même là-haut, tu n'es pas là-haut. Entre en contact avec moi, entre en contact avec moi, je te dis mon frère. Hey, les affaires de Facebook, si vraiment. Quelqu'un peut porter. Quelqu'un peut devenir malade comme ça, comme les blagues. Moi, le Facebook, parfois, comme les autres disent que parfois quand ça ne va pas, c'est vrai. Moi, je suis un peu impulsif. Quand ça ne va pas, j'ai tendance à parler. Mais maintenant, je commence déjà à faire que si la reine me fait quelque chose qui n'est pas bien, que ça ne me plaît pas, elle préfère moi ne pas même la suivre. Ne pas moi rester. Quand maintenant, elle va recommencer à parler les trucs qui amusent, qui font rire, qu'elle parle de son histoire, de sa jeunesse et tout, bien, bien là, je reviens. Mais pour le moment, moi, je ne porte plus sa copine là dans mon cœur. Moi, je ne la porte plus, ni même sa fille de l'autre côté là, je ne la porte même plus un peu. Même pas un peu, parce que avec le mépris, depuis, et pour elle là, ça a commencé quand elle a affiché, quand elle a insulté l'autre abeille là, l'ami de Marco là, j'ai pas du tout apprécié. Tu parles de qui, maman? Elles sont nombreuses. L'Italie. Uh-huh. Oui, elle avait insulté la soeur là, non, et je pense depuis moi, je la vois même plus, parce que ça a bien pu la toucher, hein. Ça a bien pu la toucher, je ne la vois plus commenter souvent. Parce qu'il y a souvent des gens qui. Et je pense aussi que. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, Choupi. Je ne vois plus trop de FP ivoiriennes là. Il y avait beaucoup de quotas ivoiriens qui commentaient là. Depuis un temps là, est-ce que tu les vois encore commenter trop dans les lives de Mafo? Non, pendant la CAN, il y a beaucoup qui ont été blessés. Bon, les plus fortes sont. Oui, restées. Parce que voilà, ça, j'ai eu cette impression-là. Et je me suis dit aussi que, comme Mafo les avait dit qu'il devait aller elle avait dit qu'elle est à l'hôtel. On appelle ça comment? Hôtel Ivoire. Et ils se sont apprêtés. Peut-être ils étaient tellement enthousiastes. Peut-être ils se sentent aussi délaissés. Pour moi, Mafo commence déjà à organiser les soirées. Il faut qu'elle pense aussi à ses abeilles des autres pays, parce qu'elle a beaucoup de communautés. Parce qu'il y a parfois même, je peux parler avec quelqu'un comme ça, là, qui me voit peut-être dans le centre de suivre le live. J'entends une fille du Mali, d'autres du Sénégal. Ah, c'est ma foi. Je dis, hein? Donc, là, tu suis. Donc, on tape les commentaires comme ça d'autres pays. Donc, elle a beaucoup de gens qui la suivent. Et sans compter aussi que partout, on fait l'évangélisation. Donc, elle ne peut pas. Pour moi, c'est moi qui parle, je ne dis pas que c'est ce qu'elle doit faire. Tu vois, non?
Pour moi, je me dis que... Elle doit aussi s'intéresser parce que beaucoup ne commentent plus. J'ai beaucoup remarqué que hier même j'ai observé ça. Elles ne commentent plus. Elles sont, et pourtant c'est des filles qui se déplacent, qui viennent. Par mais exemple, il y a Linda qui est aux États-Unis, là, je ne la vois plus. T'es choquée. Il y a comme ma soeur Marietta Flore, ma belle soeur Marietta Flore, oui, très belle. Oui, oui, la tata Jenna Bali, là, elle a carrément elle disparu. Et j'ai aussi remarqué que Marc Bangou ne commente plus aussi. Où elle est fâchée, je ne sais pas. Ma foi, pour moi, elle va comprendre que derrière les FP, nous sommes des gens différents, mais qu'on l'aime d'un amour profond et que parfois, qu'elle doit aussi parfois s'intéresser à nos sentiments aussi. Et parce qu'on n'est pas que faire. Elle va venir nous dire que oh, c'est sa paix, c'est sa copine et tout. Mais moi, je ne peux pas. Honnêtement, je ne peux pas. Assister que je vois que même une FP que même si on ne se connaît pas, il y a une comme Marisa Marie que j'aime beaucoup et par exemple beaucoup qui changent un peu dans les commentaires, tu vois un peu, ça fait mal, il y a beaucoup qui changent un peu dans les commentaires. Ina, vous n'êtes pas, on n'est pas obligé de partir là-bas, mais de respecter, tu vois, on peut ne pas manquer de respect. Voilà pourquoi je dis, si ça vous énerve tellement, désabonnez-vous, ne vous abonnez pas et passez votre route. Comme ça, on ne manque pas, comme ça, on ne manque pas le respect à sa copine comme elle ne le veut pas. C'est aussi simple que ça. Maman, est-ce que sa copine alors dit, parce que maman, c'est comme si vous, elle étouffe. Mais est-ce que sa copine dit à ces gens de ne pas insulter? Parce que c'est d'où le problème vient. Hein. Tout ce que tu entends là, que les abeilles sont fâchées contre sa copine, nous tous on les met, c'est parce que ses copines, on ne refuse pas. Par exemple, je vais prendre le problème de Warriors. Quand Mafo faisait la paix avec elle, Mafo était en bon terme avec Warriors, non? Mais est-ce que Warriors a fait de ça un problème? Warriors a dit zéro paix. Mais est-ce qu'elle a dit non? Donc maintenant, quand Mafo maintenant, elle a fait la paix avec elle, n'est-ce pas? Elle a accepté. Ma foi, essayer, comme je sais que c'est une femme de paix, elle a essayé d'arranger. Ma foi, voir, ça fait beaucoup de rapprochements. Mais ma foi est partie là-bas pour donner le billet parce qu'elle vendait son truc, c'est une vendeuse de trucs. Maintenant, on n'a pas de problème en sorte que quand l'autre maintenant vient, parce que je n'ai jamais vu. Elle dit que, par exemple, là, on parle de l'hypocrisie. Elle dit, par exemple, je vais te parler de ça. Est-ce que Mafo a accepté déjà un jour que Warriors ou n'importe qui avec elle vient parler mal même? Même nous-mêmes, les abeilles en commentaire, parler mal de sa copine. Jamais. Non. Mais sa copine laisse et nous entre comme ça. On doit te supporter, avaler, maman. Et même si maintenant, alors, ses copines, là, c'est les filles de sa copine, insultent et ce n'est pas les petites insultes. Vous dites que vous êtes dans la paix. Mais l'insulte que vous lavez, vous brossez ma faux. Il suffit seulement d'un petit faux pas, d'un petit truc qu'eux, ils n'ont pas bien interprété pour laver. Elle aurait peut-être voulu que ma faux vienne et commence à se défendre son problème avec son ex-grand frère. Mais ma faux, elle a pris ça, elle s'est pris autrement. Mais entre-temps, ses abonnés insultent et lynchent ma faux. Surtout, là où je suis d'accord avec Mire Beauté, et le comportement de Monaco là. Il lave copieusement. Il lave copieusement, Flore. Il lave, c'est pas petite affaire. Et quand moi je vois quand dans ses écrits, il lave, j'ai toujours l'image du bringalet que j'avais vu. À... J'ai dit à Choupi, il faut chercher le live de l'Espagne là. Tu vas voir de qui on parle. Allô, parce tu m'écoutes. Que sorti. Tu as m'écoutes. Compris, non? Oui, mais tu m'écoutes. Oui, je t'écoute. Tu sais quelque chose. Tant que Mafo n'a pas vu ça, il n'y a pas de problème. Tu vois quoi? Parce qu'il y a des choses que Mafo ne voit pas. Parce que sûrement, nous, les FP, on arrive à voir des choses parce qu'on est amis avec quelqu'un qui est ami avec quelqu'un qui est ami. Mais la reine-mère ne peut pas voir tout ça. Et donc, tant qu'elle ne voit pas, ça ne peut pas gêner. Tu vois un peu. Et comme elle a dit, ce que vous voyez, si vous voulez lutter entre vous, les FP, faites-le. Mais ne mélangez pas ça avec mon amitié avec ma copine. Moi, j'essaie vraiment de faire une différence. Je sais que parfois, ça peut être un peu difficile. Mais essayons de faire la différence vraiment entre son amitié et avec sa copine. Je vais te poser une question après, je vais mettre.
Donc, quand sa copine nous traite de fausses abeilles et de tous les noms, et de lancer souvent les piques en parabole, et là, qu'est-ce que nous, on est censé faire d'avaler aussi? Au nom de la paix. Dis-moi. Ah, c'est très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que les abeilles ont des vues divergentes. Je vais bloquer la personne qui vient de m'envoyer une tête de mort. Je vous dis la vérité. Et je ne blague pas. Je rentre comme ça pour partir bloquer la personne qui m'a envoyé une tête de mort. Parce que moi, je ne suis pas en train de dire quelque chose qui a... Attends un peu, ma chère. Ina, tu peux parler. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que... Ah, c'est un peu difficile tout ça, sans vous mentir. C'est un peu difficile. Voilà. On nous dit, on accepte, moi, si je ne parle pas, je n'insulte pas, je respecte cette paix. Et cette paix, je trouve qu'elle est épanouie, elle est bien, je comprends, elle veut sa paix. Non, je la comprends tout doucement. Mais que sa copine aussi, parce que je n'ai jamais vu Mafo appeler aucun de toutes les teams. Elle n'appelle plus pas les noms. Elle fait l'effort même d'appeler Nathalie par son nom et tout. Et moi, je respecte ça. Mais maintenant, quand sa copine... Quand vous êtes plus de 250 personnes, il y a les gens qui n'ont pas envoyé les petits cœurs. C'est, s'il vous plaît, envoyez-moi les petits cœurs. C'est ma page est restreinte. Vous voyez là où il y a les pouces bleus et puis les petits cœurs. Si vous, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, envoyez autant que vous pouvez. C'est ça qui sécurise la page. Vous n'envoyez pas les étoiles, je ne m'en plains pas. Mais tant que nous sommes là, pas les gros là que tu envoies toujours là, pas ma faute. Ceux d'à côté aussi. Ceux qui sont en bas, là, à côté des commentaires, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a seulement 70 personnes. Nous sommes à plus de 250 personnes. Ça ne va pas faire du mal si on a plus de 100 personnes qui ont envoyé ça. Parce que ça montre quand même que le direct n'était pas aussi... Si on vient maintenant signaler s'il te plaît, est-ce que tu peux nous m'aider? Je sais que c'est ta page, je n'ai pas le droit de te demander. Mais il y a une, depuis là, il y a une TKC qui est en train de supprimer maintenant parce que je ne vois pas les commentaires sur le téléphone que je fais les directs. Donc, s'il y a quelque chose que je peux faire, je vais pouvoir le faire après. Merci pour tes étoiles, Brigitte Dika. Bisous comme ça. Merci beaucoup, Brigitte. Merci, Brigitte Dika. Merci beaucoup. J'aimerais bien savoir que nous sommes à plus de 100 personnes qui ont envoyé des cœurs. Ça montre même à Zouk, quand on vient me signaler que discours haineux ou un truc, il va quand même pouvoir savoir qu'il y avait des gens. S'il vous plaît, ceux qui sont assis et qui ne font rien et qui écoutent le direct, ça ne fait rien de d'envoyer des petits cœurs là-bas. Je vais partir voir la personne qui m'a envoyé la tête de mort. En allant voir, tu cherches le profil là. C'est moi, Nakomo. J'ai dit que tu vois même le profil. Hein. Je vais un peu regarder le profil. Un vrai FP. Il n'y a rien sur le profil. Donc, voici son visage qu'elle a mis ici. Ou c'est son enfant. Ou... Elle sourit un peu, grosse tête. Maman, on a écrit là-bas que sourit un peu. C'est trop. Ah, je crois que ça va s'éteindre. Anyway. Donc voilà, moi je vais descendre, moi je vais dire que seulement zéro cotisation aux abeilles. Zéro cotisation. Même si Mafo pleure le sang, même si c'est le sang qui coule, Mafo une place et n'allez plus dans le live si ça fait très mal. Cherchez d'autres lives. Et pour les autres corps qui sont fâchés contre Mafo, c'est vrai qu'elle énerve souvent, mais n'oublions pas que c'est notre reine mère. Pensons au bon moment qu'elle nous procure souvent. Parce que moi, ça, Mafo, moi, je m'ennuie. Moi, je ne regarde pas moi la télé, honnêtement. La télé, je suis là, elle est éteinte. Je suis là en train de parler d'elle. Moi, je suis toujours même les écouteurs. Quand mes écouteurs se perdent, imagine, tu es dans le stress du travail, les métros et tout ça là. Tu passes ton temps sur ça. Donc, pour moi, elle est bénéfique pour moi. D'accord, je vais vous lever parce que je vais attendre le direct. Oui, je dois vraiment attendre le direct. Je vous remercie beaucoup de charger. Et ça refuse de se charger parce que c'est surchauffé, quoi. Moi, Nakomo qui m'a envoyé tête de mort, tu étais belle. Voilà pourquoi j'ai décidé de ne pas t'éradiquer. Donc, continue à envoyer tes têtes de mort. Tu étais vraiment belle sur ton profil et ta fille aussi, elle est tellement jolie, donc je vous laisse là-bas. Donc, le problème, si c'est un problème dont je crois la Mafo doit en parler, je crois que c'est un problème
Oui, mon téléphone chauffe déjà, donc je ne peux même plus charger ça. Vous voyez, je n'arrive plus à charger, ça refuse de charger. Ça va s'éteindre, donc c'est mieux que j'éteins moi-même. Donc, je crois que c'est un problème qui va continuer parce que je, à entendre parler, il y a beaucoup de gens qui sont fâchés, mais calmez un peu vos cœurs. L'affaire de cotiser, on ne vous a pas demandé de cotiser. Il y aura toujours des abeilles qui vont cotiser s'ils veulent. Pensez que vous le faites pour les démunis. Pensez que vous le faites pour les enfants qui n'ont rien. Ne pensez pas que vous le faites pour la copine de la mafo, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez le faire, faites-le comme un geste que vous faites aux enfants qui n'ont rien. Je vais encore dire quoi là? Je n'ai plus beaucoup à dire. Je peux lancer encore un autre direct si vous ne dormez pas. Si vous ne dormez pas, faites-moi signe sur la publication. Faites-moi signe. Pas ma faute. Eh, il faut lancer le direct. Tu vas savoir comment c'est difficile. Hein? Il faut lancer le direct, ma personne. Ce n'est pas facile, je te jure. J'ai envie de dire beaucoup, mais je ne peux pas. Parce que la maf me regarde. Ah! Petit Makala! Bon, pour ceux qui disent zéro, personne ne déteste, mais qu'elle nous respecte. Floss, Chupinette, zéro cotisation. Luisel, bisous là-bas. Ferry, désolé de t'avoir descendu. Bisous, le téléphone chauffe, ça va bientôt s'arrêter. Je lis les derniers commentaires maintenant avant de partir. Et pour ceux qui étaient en train de... Mon frère, le métis FDL, si tu passes encore par ici, je n'ai pas vu ton message et je ne pouvais pas bloquer quelqu'un sur mon direct. Je te dis d'abord ça. Parce que le téléphone, quand j'ai les gens en direct, je ne vois plus les commentaires, donc je ne peux pas bloquer. Chaton dit zéro cotisation, la majorité des abeilles. Donc, je crois déjà qu'ils ont déjà compris, ils ne vont rien vous demander, donc je crois qu'on peut rester tranquille. Donc, je remercie Mafo qui a partagé mon direct sur sa page. J'ai vu qu'elle avait, quelqu'un a écrit là qu'elle a enlevé. Si elle a enlevé, ce n'est pas un problème. Déjà, elle m'a amené beaucoup de gens, donc je suis vraiment gentille pour le peu de temps que mon direct a pu être sur sa page. On a parlé beaucoup de choses. C'est le direct des abeilles, donc vous ne pouvez pas interdire aux abeilles de dire ce qu'ils pensent. Je trouve qu'on doit vraiment avoir un endroit où on parle et si même, Mafo pouvait, elle pouvait s'asseoir et nous écouter sans toutefois être fâchée avec nous. C'est ce que j'aurais vraiment aimé. Mais je peux vous dire un dernier mot, c'est calmons nos cœurs, aimons Mafo de tous nos cœurs. Pensons seulement à la reine mère et pensons à Mafo une place. C'est vrai qu'il y a des choses qui vont se passer, qui vont nous énerver. Moi-même, j'ai beaucoup de choses qui m'énervent. Ne voyez pas comment j'essaye d'être calme dans mon direct. C'est simplement que si moi-même je dégame, qui va alors rester zen? Donc, s'il vous plaît, restons un peu calmes, respectons la paix de Mafo, respectons ce que Mafo nous demande et on va voir comment ça va partir. Pensons à l'événement de Mafo qui arrive. Ce qui est sûr, c'est que il y a encore du temps, mais quand elle va sortir les prochaines choses, on va pouvoir partager et l'élever comme d'habitude. N'oubliez pas de partager les publications de Mafo, n'oubliez pas de partager tout ce qu'il y a à y voir avec Mafo. Notre focus, notre intérêt, c'est la reine mère et personne d'autre. Donc, je crois déjà que c'est vrai qu'on met trop de temps pour parler des autres sans toutefois parler même de l'essentiel qui est Mafo. Mais mon téléphone chauffe, je pourrais pas, je crois que je peux lancer peut-être un autre petit direct. Attends, je lance un direct ici sur l'autre téléphone parce que celui-ci va s'arrêter. Je vais un peu voir si je peux encore charger. Ah, ça a repris la charge. Même jusqu'à là, ça va chauffer. Donc, calmons nos cœurs, les quotas, pardon. Je vous comprends, je comprends le tout. Ce n'est pas facile. Quelle demande à Sako d'éviter? Pas yeah. Mafo dit oui, relance. Mafo Lovena dit oui, relance. Mafo Lovena, c'est comment? Maman, la photo. Hey, Mafo Lovena, la photo que tu m'as envoyée là. La photo de la copine là. Hey, du gars là qu'on a dit qu'il est parti. Maman, le corosa de ça. Hey, Mafo Lovena, il m'avait encore ouvert ça. Tu sais que j'ai même pas. Hey, Seigneur. Vous savez comment le Congo ça aide, les choses qu'on m'envoie à inbox. En tout cas. Ok, chaton, tu dis déjà rendez-vous à la soirée. Ma foi, elle-même a dit que la soirée, c'est en novembre, non. On n'a même pas fini de décrypter. Je viens juste d'arriver. Non, on relance. Mon téléphone, il chauffe, maman.
Donc, reconnectez-vous dans 5 minutes sur l'autre téléphone. Je vais un peu voir. J'ai eu un message. Si, ma... si la reine m'est effacée avec nous, là, c'est que vous savez que dans tout ça, c'est toujours moi qui écoute, non? Vous savez que c'est toujours moi qui écoute. Par ma faute, je ne peux pas vous envoyer parce que c'est sur mon WhatsApp. Si tu veux m'envoyer ton WhatsApp, tu connais mon numéro WhatsApp sur mes deux pages. Ma faut lever la elle dit que quoi, j'ai les socotons. Non, la photo que tu m'as envoyée là, maman, il faut m'envoyer les photos récentes. Dans le bon gars là, il n'a des gains. Il n'a pas de gogo. C'est parce que moi, je ne veux pas le gogo, ça, maman. Envoie les bonbons même. Ce qui vient d'arriver là, maman. Donc, c'est un peu ça le problème. Moi-même, je boue. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent, mais par respect pour notre reine-mère, je ne peux pas même être ici pour dire du n'importe quoi. Voilà pourquoi moi-même, je suis en train de dire qu'essayons. Et pas vraiment, il faut être fâché avec moi parce que ce que moi je dis en live, ce n'est pas les mêmes choses que moi je dis à IB. À IB, je suis très radical, hein. Je suis très radicale, mais en direct, là, je calme soit mon cœur, j'apaise mon cœur, je baisse mon cœur, par respect pour la MAF, parce que beaucoup de gens, quand ils voient mon nom, ils pensent d'abord à la reine MAF. Donc, je ne peux pas penser à moi quand je suis en train de vouloir parler. Je ne peux pas penser à moi. Je suis obligée de penser à la femme que j'ai décidé de suivre. Elle m'a pas obligée de suivre. Moi-même, je suis venue seule. Et vous aussi, vous êtes venue seule. Maintenant, s'il y a quelque chose qui vous énerve, laissez un peu, envolez un peu le macabre, ça va passer. Buvez beaucoup d'eau. J'ai fait un gros bisou comme ça à Mamie Doc Faum et à Brigitte Deka. Mes big star givers, je vous embrasse comme ça. Pas ma foi, toujours là. Wow, wow, wow. L'étoile comme ça, je n'ai pas encore vu. Ah, maintenant, tu me dis que j'ai raison. J'ai dit que si je n'aime, c'est que nous tous, c'est que c'est gâté. Les gens vont dire que wow, si je suis peut-être peu gâté. Pourquoi moi, je ne veux pas gâter? Non, pardon, laissez les gens qui veulent vivre dans la haine, les gens qui veulent clasher, les gens qui veulent insulter les mamans, les enfants, les gens qui veulent insulter les frères, les sœurs, laissons ces personnes-là. Focus sur ma faute, s'il vous plaît. Focus sur ma faute. Je vais voir sur le téléphone si ça charge maintenant. Oui, ça charge maintenant. Donc, je vais un peu voir. Je suis entrée dans mon direct pour partir chercher qui m'a envoyé la tête de mort. Mais elle était tellement belle, cette fille. Je n'ai pas, ou c'est cette femme, ou c'est cette fille même. Je n'ai pas pu l'enlever. Tu as raison, je suis plus mieux, tu évites les problèmes. Tu sais quoi? Que j'évite les problèmes, ou? Que je n'évite pas les problèmes, ou? Ce qui est sûr, c'est que, on va pas me laisser boire l'eau. Que j'évite ou que je n'évite pas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas me lâcher. Et que ma foi est allée vraiment mon. Ma foi est fâchée avec moi. Donc, il faut donner les petits noms là. J'arrive, je vais regarder mon téléphone. Amour. Gros cœur. Non, gros cœur. Tu sais qu'il y a un nom qui ne donne pas avec les noirs, non? Bichon d'amour. Vous avez les mêmes choses. Chez les babés. Moi, je n'ai jamais vu un blanc appelé que B. Avec chez, ça c'est les vieux trucs des gens. Du mec qui épluche le macabre à la cuisine. Ça c'est les trucs de Machou. Ça c'est, tu sais que Machou, non? Machou, la même Machou là. Machou, tu sens que son amour avec son nom, avec le père, ça donne. Ça koyaya. J'ai horreur quand une gars appelle son gars. Avec son nom du village, non. Trésor, oui, trésor. Mon père, ça c'est l'ancien nom de ma copine. L'ancien nom de ma copine appelait, ouais, je dis que c'était avant. Les mamans, père, maman, quand il y a changement, il y a changement. Aujourd'hui, c'est doudou. C'est ça. Ce n'est plus, vous voyez le changement. Parti de moi. Mon père pour doudou, mais il y a un gros changement. Toi, Lolo, vous dépasse là. Ta patronne appelait son gars que quoi quand elle était en mariage. Elle appelait même que quoi là? Stéphane! Non. Ta patronne appelait même son gars. Elle appelait votre ancien père que quoi là? Le père de Lolo Magna là. Elle appelait souvent que quoi même? Elle a
t'appelais comment même? Stéphane. Mais oui. Je n'ai pas encore vu appeler un jour une voix douce. Mon lapin, tu mens. Tu m'as appelé quelqu'un. Que faut dire? Ah oui, oui. Non, quand elle parlait de lui, que parfois, mais quand elle voulait l'appeler, elle disait Stéphane. Ça, c'est le vieux mariage, normal. C'est le vieux mariage. Comme je vous disais alors que il y a les noms que quoi, que bébé, tu manques, belle, belle. Ta patronne.